Jeu d'acteur en français, je joue la maîtresse bourrée. Bonjour les élèves, nous allons commencer à faire les maths. Attendez, je bois un clou, un coup. Glou, glou, glou. Alors, on va faire les maths. Après, on va faire le français. Oh, désolé, j'ai bu un petit coup, les enfants. Vous le direz pas à vos parents. Jeu d'acteur en français, je joue le vendeur de vin énervé. Bonjour, que désirez-vous? Un vin rouge ou un vin blanc? Ça fait 3 heures que vous êtes dans le magasin et vous n'avez toujours pas choisi. Alors maintenant, ça commence à bien faire. Vous choisissez ou vous sortez de mon magasin. Alors, vous allez prendre quoi? Rien. Vous préférez partir? Bah, partez. Jeu d'acteur en français, je joue la nouvelle prof de maths. Bonjour les élèves, asseyez-vous. Nous allons commencer par faire des mathématiques. Alors, Maxime, 2 plus 2, 4, oui, bravo. Léa, 4 et 4, 8, c'est bien Léa. Et Julien là-bas, 8 et 8. Tu sais pas quoi, tu sais pas, on a révisé. Et tes devoirs, tu les as faits ou pas? Tu les as pas faits? Ben tant pis, t'auras 0 sur 20 comme d'habitude. La terre en français, je joue la caissière désagréable. Bonjour, que voulez-vous? Non, je ne peux pas vous prendre sur ma caisse. C'est écrit fermé. Je vous ai dit que c'était écrit fermé tout à l'heure. Regardez bien sur le panneau. C'est écrit caisse fermée. Maintenant, voilà, arrêtez de m'emmerder parce que moi, je pars en pause, je vais aller manger. Ok, c'est écrit fermé. Vous passez avec ma collègue qu'elle est là-bas à la caisse numéro 5 et vous me saoulez plus. C'est écrit fermé, c'est fermé. Moi, je prends ma pause, je vais manger, c'est tout. Je d'acteur en français, je joue la poissonnière. Bourré, bonjour madame, que désirez-vous? 3 kilos de crevettes avec ceci, 5 kilos de moules, ok, avec ceci, 3 crabes, ok, 3 crabes, tenez madame, quoi, c'est pas ça comme commande, vous m'avez demandé ça, quoi, c'est pas ça, je suis pas bourré. Oh, pis si, je suis bourré. On va refaire la commande de le début, madame. Allez, on recommence. Jeu d'acteur en français, je joue la nouvelle prof de maths. Bonjour les élèves, asseyez-vous. Nous allons commencer par faire des mathématiques. Alors, Maxime, 2 plus 2. 4, oui, bravo. Léa, 4 et 4, 8, c'est bien Léa. Et Julien là-bas, 8 et 8. Tu sais pas quoi, tu sais pas, on a révisé. Et tes devoirs, tu les as faits ou pas? Tu les as pas faits? Ben tant pis, t'auras 0 sur 20 comme d'habitude. Jeu d'acteur en français, je joue la maman qui conduit. Hey, les enfants, c'est bientôt fini, là! J'ai dit d'arrêter de vous chamailler! Vous voyez pas que je conduis? Bon, Kevin, tu vas rendre tout de suite le jouet à ta sœur. C'est pas pour toi que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour elle. Je l'ai acheté pour Emma. C'est pas acheté pour toi, Kevin. Tu lui redonnes. Et t'arrêtes de la faire pleurer. Parce que moi, on va rentrer à la maison, tu vas aller dans ta chambre sans manger. Tu commences à m'énerver, là. Je te préviens. T'arrêtes un peu. Je conduis, tu redonnes le jouet à ta sœur et tu tais, tu te calmes. Jeu d'acteur en français, je joue le kiné bourré. Bonjour monsieur, vous venez pourquoi? Alors, pour votre genou. Attendez, je vais regarder. Alors, qu'est-ce que vous avez monsieur? Faites-moi voir, oh, vous avez une petite entorse. Attention, je vais commencer le massage. Ne bougez pas, monsieur. Attendez, je bois un coup. Glou, glou.
monsieur. Je suis pas bourré, non. Arrêtez de me dire que je suis bourré, je vous préviens. Vous sortez. J'ai d'acteur en français, je joue le boulanger bourré. Bonjour, madame. Que désirez-vous? Une baguette de pain avec ceci. Trois croissants avec ceci. Ça sera tout alors. Je note. Trois croissants. Attendez deux minutes. Et une baguette. Quoi? Je me suis trompé de commande. Oh, attendez, je regarde. Oh oui, je vous ai donné du pain coupé. Et une baguette. Oh, je me suis trompé. Je devais vous donner vos croissants. Attendez, je reviens. Jeu d'acteur en français. Je joue la maman qui en a marre que son enfant joue aux jeux vidéo. Bon, il est l'heure, on va manger. Kevin, tu vas descendre. T'es toujours avec tes jeux de brin, là. Tu veux que je te la jette, ta PlayStation? Eh ben, j'ai ouvert la fenêtre, je vais la faire voler en l'air, ta PlayStation. Tu descends. Il est l'heure de manger. Quoi, t'as pas faim? Tu vas descendre, je te préviens. Tu descends pas, ça va finir mal. Tu descends, je dis. T'arrêtes un peu, tu descends. C'est moi qui commande. Eh ben, ta PlayStation, elle va voler en l'air. Jeu d'acteur en français, je joue le cuisinier. Alors, dépêchez-vous. Alors, trois côtelettes. Quatre hachis parmentier. Quatre pâtes à la carbonara. Dépêchez-vous. Et les desserts. Kevin, tu les as fait, les desserts? Les desserts. C'était quoi? Bah, c'était quoi? C'est écrit. C'était trois crêpes au sucre. Et trois tiramisu. Tu te fous ma gueule ou quoi? T'es viré. Tout de suite. J'ai d'acteur en français. Je joue le vendeur au marché. Bonjour à tous. Un slip acheté, le deuxième slip offert. Dépêchez-vous. En promotion, un slip acheté, un slip offert. Toutes les couleurs disponibles. Dépêchez-vous, 5 euros seulement. À ce prix-là, c'est donné. Approchez. Jeu d'acteur en français, je joue le fromager bourré. Bonjour, que voulez-vous? Alors, un camembert avec ceci, du chèvre avec ceci, ça sera tout. Oh, je me suis trompé de commande. Attendez, je reviens. Glou. C'était quoi déjà? Alors, du chèvre avec ceci. Un camembert, c'est lequel déjà de fromage? Celui-ci et celui-ci. 8,50€ s'il vous plaît. Tenez, merci. Au revoir. Jeu d'acteur en français. Je joue la maîtresse qui découvre un élève bourré. Ah, salut les élèves. Asseyez-vous, nous allons commencer le cours. Kevin, qu'est-ce que tu as dans ta main? Une bouteille de vodka. Tu passes ça tout de suite? Tu vas chez un CPE tout de suite? C'est quoi de ça? T'as pas ramené de l'alcool à l'école? Tu sors de la classe, tu vas chez un CPE tout de suite? Ça commence à bien faire. Ton comportement est inacceptable. Tu te prends pour qui? Et tu ramasseras ton vomi, là. Oh! Dateur en français, je surprends mon enfant qui a volé dans un magasin. Kevin, c'est quoi dans ta poche? Qu'est-ce que tu as mis dans ta poche? J'espère que tu n'as rien volé au magasin. T'as volé quoi au magasin? Fais-moi voir c'est quoi dans ta poche. C'est quoi de ça? De où tu voles un paquet de gâteaux? T'en as à ta maison des paquets de gâteaux. Tu vas venir avec moi, on va rendre le paquet de gâteaux que t'as volé au magasin. Je tiens pas à avoir des histoires pour toi. T'arrêtes un peu de voler. Fais voir ta deuxième poche. C'est quoi de ça dans ta deuxième poche? T'as volé quoi encore? Une paire de chaussures? Allez, on va tout de suite au magasin rendre ce que t'as volé. Jeu d'acteur en français, je joue le guide touristique. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous allons commencer la visite. Alors, ça c'était la chambre de Napoléon. Regardez, une très belle chambre, vue sur le jardin. Hé madame, qu'est-ce que vous faites? On s'en
s'allonge pas dans le lit. Non, on s'allonge pas dans le lit. Soit que vous continuez la visite avec nous, ou soit que vous sortez. Mais on s'allonge pas dans le lit. C'est quelque chose de très rare. Vous arrêtez. Ben vous dégagez, vous voulez partir, vous dégagez, allez. Jeu d'acteur en français, je joue le fromager énervé. Bonjour, que désirez-vous? Alors, un chèvre avec ceci, un gouda, ok avec ceci. Un mimolette, ok avec ceci. Dépêchez-vous, j'ai pas le temps, je vous ai dit. Allez vous dépêcher de finir votre commande. J'ai pas que vous, j'ai plein de clients derrière qui attendent depuis une heure. Il n'y a pas que vous dans le magasin, dépêchez-vous. Bon, vous voulez rien prendre, vous sortez. Allez, oust !